Eh bien salut à toutes et à tous, ça y est, on va enfin pouvoir, je vais enfin pouvoir découvrir Microsoft Flight Simulator 2020. Nous sommes le 18 août, il est 6h58, je n'ai quasiment pas dormi de la nuit. Les serveurs, la nuit étaient en PLS, donc pour l'installer c'était une vraie galère. On va enfin pouvoir l'essayer. Salut Esteban, bienvenue, bon matin, bon café, bon petit chocolat chaud. Mets-toi bien. Ok, ça y est, on est sur le menu. Alors par contre j'ai un problème les amis, j'ai un souci, c'est que mon pseudo c'est Day Evening 7260. Enfin, bon bref, tu m'as compris. Je m'excuse à l'avance et je sais très bien, je compte avoir un joystick hein, les frérots, donc je veux pas entendre de gens dire joue à la manette. Et donc pour ceux qui se demanderaient le joystick que j'ai commandé bien sûr. C'est un Thrustmaster d'entrée de gamme, de très très entrée de gamme qui est à 60€, donc je pense que la plupart connaîtront de quoi je parle. Avec manette des gaz en même temps, tu vois. Salut Popcornet, hey, j'arrive toujours pas à prononcer ton pseudo. Prenez vos repères, ne vous inquiétez pas, je tiens le manche. Heureusement qu'elle me tient le manche, hein. Maintenez le levier légèrement tiré et laissez l'avion se poser sur la piste. Eh ben voilà. Le pousser vers le bas. C'est quoi les freins? Merde, c'est pas ça. C'était pas prévu que je le réussisse, mais je l'ai réussi parce que j'ai fait n'importe quoi. Comme on dit, un bon atterrissage, c'est quand vous pouvez sortir de l'avion. Mais si vous pouvez utiliser l'avion le lendemain, c'est encore mieux. Oh, bien dit. Pour un pilote expérimenté, c'est loin d'être facile. Nous y sommes, votre premier vol en solo. Je serai disponible au sol par radio en cas de besoin. Ah oui. Mais quelque chose me dit que ce ne sera pas la peine. Oh. Notre but est de réaliser le tour de piste main gauche de Sedona sans aide. Eh, elle est beaucoup trop confiante, hein. Aborder dans nos séances de formation et tout ira bien. Ouais, ouais. Elle essaie de... Mais, ah bah voilà. À tout à l'heure, Jess. Oh putain. Ouvre les paliers. Vous n'étiez pas censé atterrir ici. Ah. Je ne vous jette pas la pierre, mais ce n'était pas prévu au programme. Ah. À ce stade, je pense qu'il serait préférable de recommencer la leçon. Oh là là. Et ça, c'est ça ce qui me fascine, c'est que là, on est sur du Flight Simulator 2020. Les nuages, c'est pas du PNG. Hein. C'est-à-dire que tu peux vraiment rentrer dedans et ça va complètement changer ton vol. Bon, avec cet avion, je crois que c'est pas trop possible, hein, mais... Royan, c'est ici. Mais oui, mais 10. Oh, je me suis trompé. C'est ici, en fait, que je pars en vacances, les gars. Oh, mais oui, c'est ici. J'ai trop hâte. C'est quand même vachement mignon, hein. C'est quand même vachement mignon. Salut Aurélien et Vol. C'est parti. Et moi, je veux aller... Ici, là. Moi, je veux aller là, d'accord. À peu près. Mais c'est ça, regardez. Et là, il y a le phare de la Vallière, ici. Là où j'ai la souris, c'est le phare de la Vallière. Faut que je décolle, par contre. Hop, j'annonce. Lima Foxtrot, Charlie, voilà. Yankee Traffic, Hello Mike, Charlie, Oscar, Lima, taking off runway 28 left, touch and go. Oh là là, je gère, hein. Je gère la fougère. On prend le cap ici. Oh là là les gars. Oh putain, c'est un truc de fou. Mais évidemment. 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 Tu as un Leclerc pas loin je crois. Quoi, t'es sérieux, on est là? Parce que le Leclerc moi je le connais hein. Oh. Mais bien sûr. Oh. La zone commerciale. Putain. Ici c'est la zone commerciale. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. T'as oublié Marion. Bah là j'ai juste envie de l'emmener là. Ici c'est Royan. Là-bas c'est Saint-Georges de Didon. Méché c'est là-bas. Là-bas il y a l'Acapulco. Et là on est sur Royan. Donc je vais passer à gauche. Je vais passer à gauche. Oh là là, la grande roue elle est là du coup. Non. Pardon, la grande roue, my bad, elle est là. Et là il y a le bac. Il y a le bac qui permet de traverser là-bas l'île d'Oléron. D'accord. Ici il y a le phare de la Vallière. Ici c'est la plage de la Vallière. D'accord. Ici c'est la plage de la Vallière. Oh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Est-ce qu'on va voir le phare, vous pensez? Le phare il est là à peu près. Par contre la végétation elle a été trop bien faite. C'est exactement ça. Je vais éviter de me cracher. Y a pas le phare je crois. Ouais non, y a pas le phare. Il manque le phare. Mais là il y a le phare, sachez-le. Oh, c'est exactement ça par contre hein, pour le coup. Oh là 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 là. Et ça c'est ma plage.
Ici c'est ma plage les gars, c'est ma plage privée. Non mais sans déconner. Ici c'est la plage, là il y a une y a un carrousel si jamais. Juste là il y a un carrousel. Si vous tapez caméra Saint-Georges de Didonne en direct, bah la caméra elle est là. Voilà. C'est n'importe quoi. Et là on va sur Méché là-bas, d'accord. Ici c'est Méché. Oh, c'est lourd. Il compte les grains de sable. Il n'y a pas Fort Boyard, si si. Mais du coup il faut aller dans l'autre sens si je dis pas de bêtises. Là-bas vous avez un banc de sable et il y a aussi un phare là-bas. C'est le phare de la Vallière si je dis pas de bêtises. Ah bah non, le phare de la Vallière il est là. Je vous ai montré. C'est le phare du... je sais pas c'est quoi. Et nous on avait fait du jet ski avec ma copine. Et on a pu... on a traversé tout ça et on est allé là-bas. Voilà, pour la petite anecdote. Oh là 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 là. Et si jamais vous êtes en amoureux, que vous savez pas où aller si vous êtes par là, il y a des falaises. Juste là, là où on va là, ici. T'as des falaises à côté d'un resto, c'est génial. Attendez. Donc là, normalement, t'as un phare. On sait pas où il est. Il est pas là. Ah oui, c'est mal fait, malheureusement. En réalité, ici, ça monte. En fait, ici, c'est élevé. Ah, c'est mal fait. Dommage. Voilà, là, t'as un restaurant. Et en fait, là, t'as des falaises, du coup, qui sont pas représentées. Voilà. Là, t'as des falaises et tu peux... voilà, bah, tu les vois un peu, là. En vrai, là, t'as des falaises et tu peux te poser et c'est trop mignon. Oh là 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 là. Eh ben, je pensais pas que ce serait aussi stylé, je vais pas vous mentir. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi stylé que ça. Pour être très transparent avec vous. Et là, du coup, on est sur Royan. Il y a la grande roue, il y a une grande roue là. Et il y a le bac. Ce que je vous disais, le bac, le bateau qui permet de traverser et aller jusqu'à l'île d'Oléron là-bas en fait. Voilà, et là, il y a le bac. C'est là qu'il y a le bac. Tu vois, il y a les places de parking, machin. La grande roue, elle est là. La grande roue, elle est là. Ça me fascine parce qu'en plus, en avion, on fait ça tellement rapidement. Alors qu'à vélo, c'est tellement long. Allez, on croise les doigts. Oh, ça marche. Ça marche de ouf. Oh. Ah bah les gars, c'est incroyable. C'est pas les mêmes arbres, mais on reconnaît le délire, tu vois. L'eau est magnifique. Et je rappelle que je suis en graphisme, hein. Donc je vous laisse imaginer en ultra, tout ça. Ah, on voit le poste. Regardez, on voit le poste de secours. Ça a été fait jusque là. Bon, il ressemble pas à ça, hein, très sincèrement. Ah, on peut zoomer. Ah là 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 là, les gars. Eh, presque 60 viewers, mais c'est n'importe quoi, les gars. C'est quoi ce stream là, les frérots? Vous me faites quoi? Je sais même pas comment réagir, c'est un truc de fou. Merci beaucoup. Ah non, la météo! Non, si, si, c'est bon, la météo elle est personnalisée, je vais pouvoir la changer à tout moment normalement. C'est bon, vous inquiétez pas. Normalement, c'est bon. Putain, bienvenue à tous vraiment, et puis merci pour les subs Prime. C'est la première fois, hein, tout ce qui se passe là, comme dit. C'est vraiment une première pour moi, ce gros stream. Enfin, c'était même pas un gros stream à la base. Hein. Mais waouh! Oh là là, de la neige! Oh, y a de la neige! De la neige en Charente-Maritime, c'est compliqué. Hein. Ça arrive des fois, c'est très rare. Allez, ciel dégagé. Ouah, il y a du givre qui s'est créé. Et tout est mouillé par terre. Mais c'est... oh, c'est incroyable. Allez, on y va. Vous me dites, hein, si vous voyez le Fort Boyard. Parce que ça se peut, moi, je vais être concentré sur autre chose, du coup, et je vais pas le voir. Ouais, il devrait être par là. Les gars, il est là, le Fort Boyard. Hein. Regardez où j'ai ma souris. Il est là. Hein. Je me suis trompé. Hein. L'île d'Oléron, à gauche. L'île d'Aix, à droite. Oh, regardez, regardez. Regardez. Oh non, il est là. Mais y'a rien. Il est là mais y'a rien. Là y'a Boyardville, si je dis pas de bêtises, à quelque part. Ça doit être Boyardville, ça, si je dis pas de bêtises. Je suis déçu pour le Fort Boyard, c'est pas grave. Je suis content de l'avoir trouvé. Regardez Fort Boyard, il est beau. Ok, du coup ce qu'on va faire, eh ben tant qu'on y est, on va survoler ce que je vous disais juste là. Les dunes. Mais oui, et il y a les chemins et tout. Oh là là, j'avais fait une photo sur Instagram et tout. Je sais pas si elle était en story ou si elle était en... je sais plus. Pour ceux qui s'en rappellent, on était là et on avait pris en photo et tout. Oh là 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 là. Oh, c'est phénoménal. Oh, c'est exactement représenté comme il faut, quoi. Ça pète. Vraiment très très sympa. Et là, il y a les marais salants. C'est trop stylé. Bien fait, hein. Oh, oh, on pourrait aller à Europa Park. On pourrait survoler Europa Park. J'y ai pas pensé, ce serait stylé. Attends les gars, désolé, désolé. Mais là les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut survoler Europa Park, hein. Venez, on va faire un petit looping, un petit tonneau.
Non ! Non ! Non ! C'est ralenti 4, t'es sérieux ? Faites gaffe parce que quand je vais reconnaître, je vais crier. Hein. Tu vois le bassin de Poséidon, t'es sérieux ? Ça, c'est le Poséidon, ça ? On va faire un petit demi-tour. Ah, oh, je suis content. Ah ouais, bah là, on reconnaît. Ah, là, ça me convainc pas. Par contre, là, il y a le parking. Ça, c'est clair. Ça, on reconnaît. Ah, je reconnais ici le virage. Ok, là, on reconnaît. Au niveau du parking, bien sûr. Et là, il n'y a pas le Silver Star, genre. Merde, j'ai plus de puissance, je vais m'écraser. Accélère, accélère, accélère. Oh, putain. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Mayday, 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 non. Voilà. C'était vraiment trop, trop cool. Je vous remercie encore une fois, voilà, pour tout ce qui s'est passé cette matinée, d'avoir été présent, pour les subprimes. Et je vous retrouve avec très grand plaisir pour de prochains streams. À très vite. Et ceux qui m'ont découvert d'ailleurs, là, ceux qui m'ont découvert, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube également. Merci pour tous les follow. Des bisous. Et à 16h pour une nouvelle vidéo. Bon, ça c'est le classique. Ciao, ciao les amis.